Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, vidéo dans laquelle je partage avec vous quelques idées de goûter pour l'école, quelques idées de lunchbox. Vous savez, le goûter pour l'école est aussi important que la pension et les fournitures scolaires. Je vais partager avec vous dans cette vidéo ce que je fais pour mes enfants le matin. Pour ce premier lunchbox, ce sera du gâteau tartiné avec la mayonnaise. Ensuite, je mettrai des tomates, des oignons et des œufs. Un petit sablé, une petite barre de chocolat, comme fruit je mettrai de la carotte. Voilà ce que ça donne. Toujours mettre de l'eau dans le sac des enfants. Ne jamais oublier leur eau. Et comme rappel, il est important de ne pas laisser sortir un enfant de moins de 10 ans sans avoir pris son petit déjeuner. Ce sera les frites de pomme avec un reste de sauce démincée de viande qu'on avait fait à la veille. Donc je vais réchauffer, leur mettre les frites de pomme et cette sauce dans le sac. Quand je sors les pommes de l'huile, je verse sur un papier absorbant pour que ça m'absorbe bien de l'huile. Je vais mettre les quantités de chacune. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas beaucoup parce que mes enfants mangent. Parfois, la petite rentre encore avec un peu, mais la grande revient toujours avec son bol vide. Ils apprécient vraiment ce que je leur mets dans le sac. Cette autre gamelle, ce sera les frites de patates. C'est la patate douce fait frite avec du poisson. Pour la petite, je lui ai fait un peu de sauté de spaghetti parce qu'elle n'apprécie pas beaucoup les frites de patates. Mais pour la grande, il n'y a pas de souci. Elle va manger. Et j'ajoute à cela les mandarines, vu que ce sont les fruits qu'il y a actuellement. Les fruits de saison, toujours privilégier cela. Pour ce jour, le lunchbox sera fait juste du gâteau, un gâteau fait maison par moi-même, un gâteau complet. Donc, il y a des œufs à l'intérieur, il y a du lait, il y a tout. Je vais juste tartiner avec du beurre, mettre de la mandarine, la goyave, la carotte, la banane douce. La plus petite n'apprécie pas les autres fruits, donc je vais juste lui mettre la banane douce. Le jour d'après, ce sera encore mon même gâteau. Qu'elles ont vraiment apprécié. Et cette fois, je vais faire frire du poisson, mettre à l'intérieur avec un œuf, puis je vais mettre le fruit. Ce nouveau matin, ce sera omelette garnie aux spaghettis avec un gâteau à la carotte que j'ai fait à la maison.
Je vous déconseille de couper le gâteau comme ça dans ce bol en plastique avec le couteau. Parce que après en lavant le bol, je me suis rendu compte que j'avais mis des traces en dessous. Heureusement que je ne pressais pas beaucoup, j'aurais fendu ce bol. Donc vraiment, ne faites pas ça chez vous. Je vais ajouter à ça une mandarine. Il est vraiment important de leur donner toujours un fruit avant qu'ils ne partent à l'école. Et puis, donnez à vos enfants ce que vous avez. Ce matin, ce sera sauté de macaroni avec la sardine fait maison. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser des pouces bleus, liker, partager, abonnez-vous. Partager, ça peut aider d'autres mamans qui sont en panne d'idées de goûter de l'école pour les enfants.